Bonjour à tous et à tous, c'est Forlan et aujourd'hui on se retrouve pour toute la vidéo sur l'arrière-clan et laissez-moi vous dire que ça me fait hyper plaisir de vous retrouver car nous avons aujourd'hui décidé de lancer une nouvelle série et vous pourrez participer. Vu que l'arrière-clan est une chaîne gaming, je me suis dit que j'allais faire une série quand même plutôt pas mal, ce sont les top 5 setup. Et donc aujourd'hui, donc pour commencer cette série, j'ai décidé d'en prendre seulement 3 pour vous montrer un petit peu ce que ça va être. Et surtout, si vous voulez m'envoyer vos setups gaming, n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un setup, hein, quand même, c'est votre coin où vous faites des vidéos, où vous pouvez jouer à la play. Donc voilà, donc c'est un petit peu où tout est disposé, hein, micro, play, etc, télé, tout ce que vous voulez. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'il y a des setups vraiment magnifiques. On commence donc avec un setup d'un membre de la Arya Clan, il s'agit de Yator. Et puis lui, il dispose d'un casque Triton AX180 avec un iPhone 5S, mais il a aussi une souris et un clavier Pyrix, hein. Vraiment, c'est un petit peu la base, on va dire, des claviers. Il va aussi nous faire un plan sur son piano, mais il possède aussi un Avermedia Live Gamer portable, donc pour filmer ce qu'il y a sur sa PS4, hein, directement. Et pour finir, la décoration, il a aussi des bouteilles d'Atou Zombie faites maison. Et oui, faites maison, c'est lui qui les a créées. Et en tout cas, je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. C'est un très beau setup. Ensuite, on passe à un autre setup, c'est celui de Zoax. Et vous allez voir qu'il est vraiment stylé, car il a tout pour faire YouTube, hein. Vous pouvez voir qu'il a une webcam sur sa télé, mais il a aussi un casque, ensuite une manette avec sa PS4 bien entendu. Il va aussi nous faire un gros plan sur son ordi portable, hein, qui a un clavier très lumineux, pour ainsi terminer son setup avec sa souris et son micro. Et à la première place, alors là on va passer un setup filmé à la GoPro, il est extrêmement magnifique. C'est le setup de Dirko, hein, qui n'est plus Arya Clan malheureusement, mais qui a vraiment un magnifique setup. Donc il va nous présenter un petit peu sa chaise gaming, hein, qui est rouge et noir. Est vraiment trop stylé. Ensuite, il a un petit Blue Yeti, donc un très très beau micro, hein, vraiment, moi j'ai le même, et je vous dis, c'est de la qualité. Ensuite, il a un casque avec une perche, hein, il nous montre un petit peu sa perche en arrière-plan. Il a aussi un écran, donc pour son PC fixe, hein, où il a marqué son compteur d'abonnés, bien entendu, avec le magnifique clavier, hein, lumineux, ça j'adore ce genre de clavier, franchement, c'est le top du top. Il possède aussi deux manettes, et puis il va terminer par nous montrer son Avermedia, voilà, pour filmer ses gameplays. En tout cas, ce setup mérite vraiment la première place de la semaine. Donc voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo, en tout cas j'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à liker, hein, ça me ferait hyper plaisir si vous voulez un deuxième épisode. Et aussi, je m'excuse, hein, si je n'ai pas dit toutes les configurations nécessaires, etc. C'est juste que quand vous avez que la vidéo et que vous n'avez pas certaines marques, c'est hyper difficile quand même de commenter, hein, vous pouvez bien comprendre. En tout cas, si vous aussi vous voulez envoyer vos setups, n'hésitez vraiment pas à filmer en vidéo, que ce soit en GoPro, avec votre téléphone, mais vraiment, il faut qu'il y ait une bonne qualité quand même. Voilà, n'hésitez vraiment pas à les envoyer au Twitter de la Arya Clan, donc qui s'affiche à l'écran, et si possible, à rajouter un petit peu vos configurations. Allez, voilà les potes, c'était Forlan, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur l'Arya Clan. Allez, bye tout le monde!